Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas découragés par le nombre important de termes techniques, le nombre massif de noms aussi, de noms propres, que peu à peu, au contraire, vous vous familiarisez avec l'univers de l'islam, avec ce monde, avec sa culture, avec son histoire, avec sa géographie. Aujourd'hui, nous allons consacrer une séance au Coran. Et ce sera une séance en fait qui se déploiera sur 2 semaines. Donc première section, premier grand chapitre sur le Coran cette semaine, avec la distinction importante à poser entre le Coran comme parole de Dieu qui est révélée au prophète Muhammad, et ensuite le Coran comme livre, comme constitutif, matériellement parlant, comme mushaf, dira-t-on en arabe. Vous en avez ici un exemplaire, le Coran de Mohamed Hamidullah, qui est donc un musulman, une traduction française d'un musulman. Alors dans le chapitre que vous allez travailler, que vous allez étudier, vous allez voir que je vous renvoie à différentes traductions, avec différentes traductions en français, évidemment. Elles ont toutes leurs qualités, elles ont toutes leurs défauts, et vous avez quelques commentaires à cet égard. Alors, ce qui est intéressant à relever, c'est que vous avez des traductions qui sont écrites par des non-musulmans, et puis des traductions par des musulmans. Mais le noyau, le problème, c'est peut-on traduire le Coran ? Dans la mesure où l'arabe a un statut particulier au niveau de l'islam, dans la mesure où l'arabe est la langue divine, alors évidemment, la traduction est une langue en une autre langue. D'un seul coup, c'est traduire la langue divine en langue humaine. Est-ce que cela est possible? Est-ce que théologiquement, c'est faisable? Vous voyez qu'il y a une question importante ici que nous aborderons au cours de ce chapitre. Et vous verrez que les traductions officielles, en fait, qui sont agréées, par exemple l'université Al-Azhar, vous avez comme mention « essai de traduction ». Ou essai d'interprétation, sachant qu'une traduction est nécessairement une interprétation. Donc, le Coran, le Mushaf, livre matériellement parlant, constitué de différentes sourates. Quelles sont ces sourates? Quels noms ont-elles? Pourquoi tel nom? Par exemple, vous lisez la sourate 7, les limbes. La sourate 2e, la vache. Ça vient d'où, hein? Qui a défini ces noms? Alors, nous aborderons ça. Les sourates sont composées aussi de différents versets, ayat. Donc, vraiment, l'élaboration, la structure du Coran sera abordée dans ce chapitre. Et puis, nous verrons aussi la question de la distinction entre révélation et inspiration. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il y a un Coran donné à des hommes? Et est-ce que ce Coran existe avant que les hommes n'aient existé? Donc ça, c'est une grande question théologique, la préexistence du livre. La question donc d'un livre-mère, il y aurait un livre-mère, Umm al-Kitab, qui serait dans le ciel. Et ce livre-mère est donné, selon la foi musulmane, donc à des prophètes. Et le dernier livre donné, la dernière révélation, le parachèvement de la révélation, de la religion, eh bien, c'est l'islam. Akmaltu lakum dinakum. J'ai parachevé pour vous la religion qu'est l'islam. Donc, entrons dans la lecture du Coran. Je vais vous donner quelques clés qui vont vous permettre d'y accéder, de le lire. Un conseil. Je le dis d'ailleurs dans le cours, mais si vous voulez lire le livre, eh bien commencez par la fin. Lisez-le à l'envers. Commencez par la dernière sourate et puis remontez peu à peu progressivement jusqu'à la première. Encore que la première, elle a un statut un peu particulier parce que c'est Al-Fatiha, c'est l'ouverture. C'est la sourate que l'on commence à lire toujours, systématiquement, un peu comme une prière lorsqu'on veut lire le Coran. Donc commencez par la 114 jusqu'à la 2e. Bon courage, bon travail, bonne lecture.